Bonjour les amis, bonjour la famille, merci, merci, merci. Et vous savez pourquoi je vous dis merci. Merci pour le soutien. Franchement, quand je vois 7 000 abonnés en bas de mes vidéos, je suis très fier de vous. Merci encore, merci pour tout. Continuez de me booster, continuez de m'encourager. Il y a trop de bonnes choses qui viennent en fait. Comme je vous dis toujours dans mes vidéos, dans certaines de mes vidéos, mon registre c'est pas ça, c'est juste que je suis fan. À mourir de notre artiste, c'est tout. Sinon, j'ai trop de choses à apporter sur le domaine de la santé, sur le développement personnel, beaucoup, beaucoup de sujets. Vraiment, merci pour le soutien. Dans cette vidéo, comme j'ai dit, le titre le dit si bien, c'est pas de quelqu'un dont on va parler, mais de quelqu'un qui fait beaucoup, franchement, qui fait beaucoup, qui m'épate même. Quelqu'un qui fait beaucoup pour notre artiste. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Une ex si dévouée à son ex, je n'ai jamais, jamais vu ça. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, personnellement, je ne connais pas la personne, mais je suis très fier d'elle. Parce que moi, je suis le mec, j'aime bien dénoncer, si vous avez bien remarqué, mais quand quelqu'un pose un acte noble, ou bien quelqu'un pose des actes nobles et louables, je me sens toujours obligé de le reconnaître. Beaucoup pensaient que j'avais oublié cette dernière-là. Mais elle mérite applaudissements de tous les fans des Bordeaux. Franchement, chapeau. Chapeau, 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 chapeau. Chapeau Sarah Davila. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Ma vidéo, ce n'est pas une vidéo pour te réconcilier avec ton actrice ou bien pour que vous reveniez ensemble. Non. C'est des choses qui doivent arriver. Si ça doit arriver, si vous devez vous remettre ensemble, cela va arriver. Mais c'est pas ça l'objectif de ma vidéo. L'objectif de ma vidéo, c'est de te dire merci. Et puis moi, je souhaiterais aussi que certains internautes qui passent le temps à l'insulter, à la traiter de n'importe quoi, à la rabaisser avec des propos blessants, franchement, c'est des choses qu'on ne fait pas avec les femmes. Je vous le dis toujours. Entre nous les garçons, on peut s'insulter, on peut s'attacher, comme on dit, mais la femme, c'est sacré, quoi. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de précieux. La femme, c'est un trésor à valeur inestimable, en fait. On s'en rend pas compte. C'est quand on paie notre mère ou on paie une de nos mamans ou de nos grands-mères qui faisait beaucoup pour nous. C'est là qu'on comprend et on réalise l'importance d'une femme dans la vie d'un homme. Franchement, Sarah Davila. Tous les fans des Bordeaux Licoufa me chargent de dire merci. Merci pour ton soutien indéfectible envers notre artiste. Je n'ai jamais vu ça. Je te tire vraiment le chapeau. En tout cas, continue dans cette lancée-là. Et puis, n'écoute pas toutes ces personnes-là qui passent le temps à juger. Oh, ont une vie de débauche, de perversité. Voilà. Chacun a ses défauts. Chacun fait des erreurs. Chacun a aussi ses qualités. Mais lorsque y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il faut vraiment le reconnaître. Donc moi, personnellement, je viens dans cette vidéo-là, au nom de toute la famille des Bordeaux, te dire merci. Faut même pas changer ça. Voilà, continue tes activités, n'écoute pas les ragots et reste dans ton registre. C'est Dieu qui va te bénir. Ton mariage n'est pas loin. Je le dis, ton mariage n'est pas loin. Voilà, vraiment merci pour tout ton soutien et puis... Continue dans cette lancée-là. Continue de faire ce que tu sais faire. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Tellement que ton attitude me dépasse. Merci, merci, merci. Donc les fans, tâchez de lui dire merci en commentaire. Voilà, ça lui fera chaud au cœur. Tâchez de lui dire merci en commentaire. Parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, elle est humaine comme tous. Elle a des défauts. Mais lorsqu'elle pose un acte noble, faut lui dire vraiment merci. Donc merci beaucoup Sarah Davila. Voilà, c'était juste un big up pour toi. Et te dis de continuer de ne pas changer, de ne pas écouter les gens qui passent le temps à t'insulter et à te vilipender. Que Dieu te bénisse et continue dans cette lancée-là. On est ensemble.